Je fus pendant longtemps ouvrier et béniste. Dans la rue du Champ de Mars, la paroisse de Toussaint. Mon épouse exerçait la profession de modiste. Et nous n'avions jamais manqué de rien. Quand le dimanche s'annonçait sans nuage, nous exhibions nos beaux accoutrements. Et nous allions voir le desservelage, rue de l'Échaudé, passer un bon moment. Voyez, voyez la machine tourner, voyez, voyez la cervelle sauter, voyez, voyez les routiers trembler. Ouah, cornes au cul, vive le Père Ubu. Ouah, cornes au cul, vive le Père Ubu. Nom de marmot chéri, barbouillé de confiture, brandissant avec foi des poupas en papier. Et avec nous s'installant sur le haut de la voiture. Et nous roulions gaiement vers les chaudées. On se précipite en foule à la barrière. On se fiche des coups pour être au premier rang. Moi, je me mettais toujours sur un tas de pierres pour pas salir mes godillots dans le sang. Voyez, voyez la machine tourner, voyez, voyez la cervelle sauter, voyez, voyez les rentiers trembler. Hurrah, cornes au cul, vive le Père Ubu. Hurrah, cornes au cul, vive le Père Ubu. Aussitôt je suis lancé par-dessus la barrière. Par la foule en fureur, je me vois bousculer. Et je suis précipité, la tête la première, dans le grand trou noir d'où ce qu'on revient jamais. Voilà ce que c'est que d'aller se promener dimanche, rue de l'Échaudé pour voir des cervelets. Marcher le pincement, ou les manches comme hanches, on part vivant et l'on revient tudé. Voyez, voyez la machine tourner, voyez, voyez la cervelle sauter, voyez, voyez les rentiers trembler. Hurrah, cornes au cul, vive le Père Ubu. Hurrah, cornes au cul, vive le Père Ubu.